Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. Pour être très honnête, j'ai eu deux décès très proches, le mardi et le mercredi, donc ça va faire une semaine, qui m'ont bouleversée au plus haut point. Donc du coup c'est vrai que je dors très mal, j'ai du mal à accepter la situation, j'ai du mal à prendre la parole, mais j'ai des obligations, donc que ce soit ma fille, que ce soit le travail. Donc du coup voilà, je ne savais pas comment reprendre la parole sur les réseaux, mais voilà, c'est une période très très compliquée. Et voilà. Et c'est surtout que ben, en ce moment ma vie n'est pas joyeuse du tout du tout. Donc c'est vrai que je peux rien vous partager, pour être très honnête. Et c'est pour ça que je suis absente sur mes réseaux. À part vous partager mes collaborations, parce que ça reste un travail et que j'ai des obligations, même s'il y en a certaines que j'ai reportées. Honnêtement, j'ai pas la tête à partager de bonnes choses, à sourire, à rire. Je suis très éteinte. On n'a fait pas qu'en famille, mais voilà, ça me fait du bien d'être auprès des miens, mais je suis pas là. Donc voilà. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est très très compliqué. Et puis faire semblant de sourire et de vous dire que tout va bien, mais honnêtement, j'y arrive pas. Voilà. J'ai presque une semaine de nuit blanche. Parce que quand je ferme les yeux, j'ai certaines images. Parce que je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Mais voilà, je me devais de vous le dire. Voilà, ne m'en voulez pas si je vous partage très peu de choses. Ma vie n'est pas joyeuse du tout, du tout en ce moment. Sinon, j'ai accepté une collaboration avec la marque Musk & Team. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai reçu le coffret du Ramadan, il faut un coffret spécial Ramadan. Et voilà, j'ai décidé de collaborer avec cette marque. J'ai repoussé ma collaboration, ça fait ben, 3 fois parce que honnêtement, j'avais pas la tête à ça, j'avais d'autres choses à faire. Enfin, j'ai des journées hyper chargées. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, je vais vous partager ça. Pour celles qui ne connaissent pas, Musk & Team est officiellement la marque numéro 1 de produits intimes. Elle a été élue aux victoires de la beauté. Donc, tout est à base de musc. C'est vraiment ce que j'adore. Donc, vous avez des lingettes comme ça, 100% coton à base de musc blanc et d'eau. Donc, c'est vraiment naturel. Vous avez des petites lingettes comme ça que vous pouvez mettre dans le sac, emporter partout. Là, avec le coffret du Ramadan, il y a un ensemble, une nuisette, peignoir et tout, que je vais vous montrer. Vous avez également une mousse nettoyante intime au musc blanc. Vous avez plein de choses. Franchement, c'est canon. J'ai eu envie de collaborer avec cette marque parce que je trouve que c'est une bonne idée de penser un peu à l'intimité des femmes. Je voulais vous parler des deux gels parfumants. Donc, vous avez donc celui-ci, c'est Mon Œil Oriental. Je découvre comme vous, hein. On dirait, vous savez, belle Mon Œil, quand vous sortez de la plage, là, ces odeurs, ça sent trop bon. Et vous avez le rose mystique. Alors, le rose mystique, il sent très bon aussi, mais j'ai une préférence pour Mon Œil Oriental. Celui-ci, coup de cœur. Ils sont très, très bons. Après, les filles, vous avez cette mousse nettoyante, pareil, au musc blanc. Donc, ça fait vraiment une mousse comme ça. Donc c'est une mousse intime, hein, mais pour sentir l'odeur. Ouais, ça sent vraiment le musc. Ça sent trop trop bon. J'adore. Vous avez également donc dans le coffret spécial Ramadan ces petites serviettes. Voilà. Comme ça. Les lingettes, celles-ci, elles sont 98% d'origine naturelle à base d'eau et de musc blanc. Alors je vais réussir. Voilà. Et vous avez des petites lingettes comme ça que vous pouvez mettre pardon, dans le sac. Alors du coup, bah, je vais sentir les lingettes avec vous parce que je découvre comme vous. Donc c'est des lingettes comme pour les bébés, mais là cette fois-ci c'est pour nous.
elles sentent super bon. Alors, il y a une petite odeur de musc, mais pour être très honnête, je serais menteuse de vous dire que ça sent le musc de ouf. Ça sent plus le parfum pour bébé, moi, je dirais. Je dirais plus la mousse qui sent vraiment le musc. Mais ça, mais bon, ça sent super bon. Hein. Elles sont hyper fraîches. Et c'est canon. Et vous avez celle-ci aussi qu'on peut mettre dans le sac. Je vous les ai montrées tout à l'heure. Franchement, j'aime beaucoup leurs produits. Et l'ensemble, j'aime beaucoup trop. Il est canon. Donc, vous avez le petit masque là, pour dormir. La petite nuisette avec le petit peignoir. Vous avez d'autres coloris. Hein. Mais il est trop joli. Merci pour vos messages. J'ai déjà reçu une tonne de messages. Vous êtes sincèrement adorables. Aujourd'hui, j'avais Casey, on ne fait pas qu'en famille. Son papa est venu la chercher tout à l'heure à 19h. Et là, je vais profiter de ne pas avoir ma fille et d'essayer de me reposer, de lâcher prise un peu. Et voilà, je vais me prendre une douche, me mettre un pyjama et me mettre dans le lit. Donc, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée.